الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala notre thème est les cinq conseils de l'ange Jibril alayhi salam les cinq conseils de l'ange Jibril alayhi salam Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu rapporte que l'ange Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a prodigué ses conseils. Il lui a dit « Ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Et fais ce que tu veux, tu en seras rétribué. Aime qui tu veux, tu devras t'en séparer. Et sache que l'honneur, sharaf al-mu'min, et sache que l'honneur du croyant, se trouve dans la prière de la nuit, Qiyamul Layl. Et que sa fierté, sa izza, se trouve dans le fait de se passer des autres gens, rapporté par At-Tabarani et jugé valide par Al-Sheikh Al-Albani. Cinq précieux conseils de Jibril alayhi salam, le gardien de la révélation divine, à l'élu parmi les créatures Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de conseils en or qui méritent, pour chaque conseil, un dars complet. Le premier conseil, l'ange Jibril dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. » Ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Et on retrouve cette réalité dans le Coran. Allah tabaraka ta'ala dit dans sourate Az-Zumar, sourate 39 verset 30 « Innaka mayyitun wa innahum mayyitun » En vérité, tu mourras, il s'agit de Muhammad alayhi wa sallam, et ils mourront eux aussi. Et Allah tabaraka ta'ala dit dans sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. On va tous mourir, tous sans exception, sauf Allah Azza wa Jal. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Sourate Ar-Rahman, Sourate 55, verset 26 et 27, Kullu man 'alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seul subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. On va tous mourir, tous sans exception, sauf Allah Azza wa Jal. Et après la mort, ce n'est pas la fin, mais le début de toute chose, et ça commence par la tombe, qui est soit un jardin du paradis, soit un trou de l'enfer, wal'iyadu billah. La mort est donc une réalité amère qui touchera tout le monde. Et le fait de se rappeler la mort est une chose très importante, car elle nous réveille de notre insouciance. Aujourd'hui, quand tu parles de la mort à quelqu'un, il te dit, « Akhi, t'as pas d'autre sujet ?» Ou la sœur qui dit, est-ce que t'as pas d'autre sujet à part ça? Alors que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Huraira, qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi, il alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, multipliez le rappel de celle qui brise les plaisirs de cette vie d'ici-bas, la mort. Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il nous encourage, il nous recommande à multiplier le rappel de la mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est une réalité. La mort, tout le monde va la goûter. La mort, ça calme. La mort, quand on parle, ça fait froid dans le dos. Ça refroidit. Celui qui pense à la mort s'éloigne des péchés. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà pensé à ta mort? Ta propre mort, à toi. Comment est-ce que tu vas mourir? Sur une bonne action ou un péché. Sache que si tu vis sur le chemin de l'adoration, bi'idhnillah, tu auras une bonne fin. Et dans le cas où tu prends un mauvais chemin, un chemin plein de haram, tu risques d'avoir une mauvaise fin. Et je vous rappelle que l'affaire ne s'arrête pas à la mort. Car après la mort, c'est le début d'un bonheur éternel ou des regrets et un châtiment douloureux. La mort est le sujet qui fait revivre les cœurs.
Et ces gens qui nous entourent, qui sont insouciants et dont le cœur est devenu dur, sont des gens qui ont oublié la mort. Alors que nos ancêtres, les salaf rahimahumullah, les pieux prédécesseurs, pensaient tout le temps à la mort. Mon frère, ma sœur, la mort, quand elle frappe, elle ne prévient pas. Tu dois te mettre dans la tête qu'aujourd'hui ça peut être ta fin. Que là, pendant que tu es en train d'écouter l'audio, l'ange de la mort peut venir prendre ton âme. Tu dois te préparer pour ça. Il faut arrêter de croire que la mort ne frappe que les personnes âgées. C'est complètement faux. Les jeunes sont de plus en plus touchés par la mort. Dans ta vie, tu fais tout selon tes choix. Sauf pour la mort, sache que tu n'auras pas le choix. Comprends bien ce point. Tu n'auras pas de choix à faire pour le moment de ta mort. Toute âme goûtera à la mort. Allah tabarak wa ta'ala dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Toute âme goûtera à la mort. Et la question qu'il faut réellement se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à rencontrer Allah Azzawajal? Fais-tu partie des personnes prêtes? Ou bien seras-tu de ceux qui demanderont à Allah de les faire revenir sur terre afin d'avoir une deuxième occasion d'œuvrer dans le bien? Tu sais, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, certains, au moment de la mort, souhaiteront avoir juste un peu de temps pour rattraper les prières qu'ils n'ont pas faites. Certains, au moment de la mort, ils souhaiteront avoir juste un petit laps de temps pour pouvoir jeûner le ramadan qu'il n'a pas jeûné, prier ce qu'il n'a pas prié comme salawat, al-fara'id, bien sûr je parle des prières obligatoires, al-fajr, les autres prières, etc. Au moment de la mort, il est possible que tu regrettes de ne pas avoir fait d'aumône, de ne pas avoir fait telle et telle bonne action. La mort te touchera peu importe où tu te trouves. Tu ne pourras pas la fuir. Malheureusement, tu vois qu'aujourd'hui on vit dans l'espoir d'obtenir la miséricorde d'Allah et on mise beaucoup sur la miséricorde d'Allah. On dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafur Rahim, il est pardonneur, il est miséricordieux. Allah il me fera miséricorde. On vit dans l'espoir d'obtenir la miséricorde d'Allah, mais on ne fait rien pour la mériter. On est plongé dans une grande insouciance et on ne pense qu'à ce bas monde, qu'à l'argent, qu'à dunya, comme si nous allions vivre éternellement sur terre. Mes frères et sœurs, je vous rappelle que l'ange de la mort est rentré dans nos demeures ou celle de nos proches. Il est déjà passé près de nous pour prendre une autre âme que la nôtre. Et un jour, il entrera chez nous pour prendre notre âme. On va tous mourir et il ne restera qu'Allah Azza wa Jal. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Sourate Al-Jum'ah, Sourate le Vendredi, Sourate 62 verset 8, « قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » Dit, la mort que vous fuyez va certainement vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il va t'informer de ce que tu faisais. Tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a oublié ce qu'on a fait comme action? Tu crois qu'il était insouciant? Tu crois qu'il dormait azza wa jal? Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Ça, c'est donc le premier conseil de l'ange Jibril alayhi salam au prophète sallallahu alayhi salam. Ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Et ce conseil, je me le donne à moi-même ainsi qu'à vous. Toi qui es devant moi, qui t'appelles Abdullah, sache-le, Abdullah, ou toi, ma sœur Fatima, ô Abdullah, ô Fatima, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Puis, le deuxième conseil, Jibril alayhi salam, Dieu prophète sallallahu alayhi salam, et fais ce que tu veux, tu en seras rétribué. Toi qui fais des bonnes actions, je t'annonce une bonne nouvelle. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans sourate At-Tawba, sourate 9 verset 120, « Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin » Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Et quant à toi qui commets des péchés, ne sois pas en sécurité de par le fait qu'Allah Azzawajal ne t'a pas puni jusqu'à maintenant. Allah Azzawajal a dit dans sourate An-Najm, sourate 53, versets 31 et 32, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم
huwa a'lamu biman ittaqa. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout appartient à Allah Azzawajal. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent. Écoute bien. Afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères. Certes, le pardon de ton Seigneur est immense. C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit des terres et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est-à-dire, ne jette pas des fleurs. Arrête de croire que tu es un super pieux. Que ça y est, tu as atteint le summum dans la piété, dans la science et dans la pratique religieuse parce que tu t'es fait pousser la barbe ou parce que tu as un kamis ou parce que tu fais tes 5 prières à la mosquée. Tout ça, c'est très bien. Mais, et après, tu vas te jeter des fleurs? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Comment tu peux dire aux gens je suis pieux ou la sœur, Akhi, je suis pieuse? Ne te vante pas. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surah Ali Imran, Surah 3, verset 30, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce que leur a fait de bien et ce que leur a fait de mal. Le jour du jugement, mon frère, tu seras confronté. À quoi? À ce que tu as fait de bien ou ce que tu as fait de mal. Elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Ça, c'est dans le Coran. Écoute bien. Elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Et Allah tabaraka ta'ala dit dans Sourate Al-Anbiya, Sourate 21, verset 47, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Au jour de la résurrection, le jour du jugement, Allah tabaraka ta'ala dit, nous placerons les balances exactes. Et tu le sais, tu fais un atome de bien, tu le verras. Et un atome de mal, tu le verras. Nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Et Allah tabaraka ta'ala dit dans Sourate Al-Kahf, Sourate 18, verset 49, وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et on déposera le livre de chacun. Sache que tout ce que tu es en train de faire sur terre, ce n'est rien d'autre que de remplir ce livre. Ce livre qui te sera remis le jour du jugement, où il y a tes œuvres. Et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Et ils vont dire, malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Ils vont dire, malheur à nous, ce livre il cache rien. Petits et grands péchés sont cités dans ce livre. Et regarde Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi dans la suite du verset? Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Ça c'est tes œuvres. C'est ce que tu as fait fut dunya. C'est ce que tu as fait sur terre. Tu as préféré faire ça, voilà ce qu'il y a dans ton livre. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Et selon Abu Dharr radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, c'est un hadith Qudusi. Allah azza wa jalla a dit, ô mes serviteurs, pour ce qui est de vos actions, je me charge de vous les compter, puis de vous les faire payer. Pense pas que c'est comme ça, je fais des péchés le haram, je regarde le haram dans la télé, sur le net, dans la rue, la sœur, pareil, elle se lâche parce que personne ne la surveille, au téléphone, dans la rue, dans ses discussions, le frère, il regarde le haram, il écoute du haram, il dit du haram avec sa bouche, toute la journée, c'est médisance, gros mots, insultes, critiques.
Écoute bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ô mes serviteurs, pour ce qui est de vos actions, je me charge de vous les compter, puis de vous les faire payer. Tout ça, ça se paye. Que celui qui trouve du bien, le jour du jugement, dans son registre, dans son livre, adresse ses louanges à Allah, qu'il remercie Allah. Mais que celui qui trouve autre chose que cela, qu'il ne blâme que sa propre personne, rapportée par l'imam muslim. Le jour du jugement, tu vois dans ton livre autre que des bonnes actions, dis pas ça à cause d'un tel, blâme ta propre personne. T'as vécu sur terre, t'avais le choix entre faire des bonnes œuvres et des mauvaises. T'as préféré le chemin du diable. T'as préféré suivre tes passions. T'as préféré t'égarer. T'as entendu des gens te faire des rappels une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. T'as entendu des gens te dire la prière c'est important. La prière, celui qui la délaisse, il est dans un grand danger. T'as entendu que les fréquentations illicites sont haram. T'as entendu que la musique c'est haram. T'as entendu que l'argent sale, ça va te faire payer cher. Et avec tout ça, t'as préféré garder ce chemin-là. T'as préféré suivre tes passions. T'as préféré le chemin du haram. Le jour du jugement, ne blâme que ta propre personne. Pense donc, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, à tes actions. Sache que tout ce que tu fais est enregistré auprès d'Allah. Et ton livre que tu recevras le jour du jugement, c'est toi qui y remplis le contenu. Tu as le choix entre faire des bonnes actions et donc de bien le remplir, et entre faire des péchés et de te retrouver plus que triste le jour où les regrets ne seront d'aucune utilité. Ce livre que tu auras le jour du jugement, ça sera toi qui en auras écrit le contenu par tes œuvres. Et le jour du jugement, tu liras ton livre. Tu vas lire ton livre. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate al-Isra, Sourate 17, versets 13 à 15, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Un écrit. Tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est écrit. Tout est écrit. Tout. Et après, qu'est-ce qui te sera dit? Regarde dans le verset 14 de la sourate 17. Sourate al-Isra, sourate le voyage nocturne, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 14, regarde ce qui sera dit, lis ton écrit, lis ce que tu as fait, lis ton livre, lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Sache mon frère, ainsi que toi ma sœur, que le jour du jugement sera le jour de la remise des diplômes. Soit tu vas recevoir ton livre de la main droite, soit de la main gauche. Allah tabarak wa ta'ala parle de ceux qui recevront leur livre de la main droite et ceux qui le recevront de la main gauche le jour du jugement dernier. Dans Sourate Al-Haqq, Sourate 69, versets 19 à 14, il Azza wa Jal dit: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde notre livre de la main droite, dites amin. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il sera content. Lisez mon livre, il n'y a que des bonnes actions. Il y a hasanat, regardez, ça y est, pour moi c'est la victoire. Je rentre au paradis. Lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Maintenant, c'est que le plaisir et pour l'éternité. Pourquoi? Parce que vous avez fait vos preuves sur terre. Vous avez réussi à vous accrocher à l'islam quand les gens ont abandonné l'islam. Vous avez réussi. Vous avez fait vos preuves sur terre.
Allah tabaraka ta'ala dira kulu wa sharabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Mangez et buvez, c'est terminé. Il n'y a plus de travail à partir d'aujourd'hui. Attention, mangez et buvez, c'est par plaisir. Parce qu'au paradis, on ne mange pas par faim et on ne boit pas par soif. Parce que la faim et la soif sont une sorte de douleur, de souffrance. Et il n'y a plus de souffrance dans le paradis. Il n'y en a plus. Tu manges juste comme ça, pour savourer, pour le plaisir. Mangez et buvez, c'est terminé. Il n'y a plus de travail à partir d'aujourd'hui. Plus de révision, plus de vitamines à prendre pour ne pas dormir. Plus rien de tout ça. Plus d'efforts dans le travail, c'est fini. On ne vous oblige plus à faire d'efforts. Là, vous êtes là pour le bonheur et ce, pour l'éternité. Vous avez réussi votre examen. À partir d'aujourd'hui, c'est le plaisir éternel. Vous ne souffrirez plus au paradis. Plus aucune souffrance dans le paradis. Tu ne feras plus tes besoins dans le paradis. Tu n'as pas soif dans le paradis. Tu n'as plus faim dans le paradis. Tu n'as plus de problème de santé dans le paradis. Tu n'as pas besoin d'argent dans le paradis. Tes vêtements ne s'usent jamais dans le paradis. Ta vie sera un luxe à 100%. Le pieux va prendre son livre de sa main droite et il va voir sa famille et va courir et va dire « Regardez mon livre, lisez, lisez !» Il sera heureux. Et plus rien ne le séparera du paradis à part juste ce petit pont qui est Sirat. Vous connaissez Sirat ? C'est le pont qui est dressé au-dessus de l'enfer, qui est plus fin qu'un brin de cheveux et qui est plus tranchant qu'un sabre. Et on a un audio sur le site qui s'appelle As-Sirat, pour celui qui veut l'écouter. Si cet homme avait fait les meilleures œuvres, il traversera ce pont comme un éclair. D'autres vont le traverser comme des chevaux, d'autres comme des oiseaux. Et chacun en fonction de ses œuvres, et chacun en fonction de sa rapidité et de sa vitesse vers le chemin du bien. Comme quand on disait, là-bas, dans cet endroit-là, il y a du bien à faire. Si tu étais rapide ou lent, en fonction de ça, tu seras jugé. Je parle ici du pont du Sirat. En fonction de ça, tu traverseras le pont qu'est Sirat. En fonction de ça, tu tomberas en enfer ou non. De l'autre côté, certains tiendront leur propre livre de la main gauche. Qu'Allah nous en préserve. Il prend son livre de la main gauche et il commence à le regarder. Et il voit péché, péché, des péchés, des péchés. Que des péchés. Celui-là, qu'est-ce qu'il va dire? C'est cité dans Sourate Al-Haqqa, dans la Sourate 69, dans le verset 25 à 32. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكوه. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Toi qui cours derrière l'argent, toi qui n'as qu'un seul objectif, c'est l'argent, l'argent, faut que je me fasse de l'argent, beaucoup d'argent, avec l'argent tu peux, sans l'argent tu peux pas. Écoute, le jour du jugement, cet homme-là, il va dire quoi? Ma fortune ne m'a servi à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le chemin d'Allah tabaraka ta'ala. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan, ensuite brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées. Une catastrophe. Une catastrophe pour cette personne-là. Il va regretter qu'on lui ait remis son livre et d'avoir connu son compte. Il dira, hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort soit la définitive. Tu souhaites quoi, Akhi? Ma sœur, tu préfères les passions de ce bas monde et les péchés ou tu préfères le chemin du paradis, celui où tu vas être certes entouré de petites épreuves, mais ne t'inquiète pas, ces épreuves-là vont t'élever en degré et elles vont te faire pardonner plein de péchés dont tu n'es pas capable de t'en débarrasser tout seul. Allah Ta'ala va dire, prenez-le, saisissez-le, puis mettez-lui un carcan, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées. Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit, c'est celui qui va prendre son livre de la main gauche, une chaîne qui est énorme lui entrera par son derrière et sortira de sa bouche. Et il sera brûlé dans le feu comme ça.
la durée de ses péchés. Akhi fillah, ukhti fillah, vous qui, alhamdoulilah, raisonnez et qui réfléchissez, vous êtes d'accord avec moi que personne ne peut supporter ça. Personne ne peut supporter d'être mis en brochette en enfer. Personne. Et ne me dis surtout pas, t'inquiète pas pour moi, de toute façon, moi l'enfer, je vais tenir. T'es malade. T'as perdu la cervelle. Et ne me dis surtout pas aussi, mais à partir du moment où j'ai dit la ilaha illallah, je vais rentrer au paradis, c'est pas grave, un petit stage en enfer, c'est rien. Déjà rien qu'une bougie, l'allumer et mettre juste ton doigt dessus, une minute, t'es pas capable. Qu'en est-il du feu de l'enfer, qui est beaucoup plus chaud que le feu de ce bas monde? Tu n'arriveras pas à assumer ça. Tu n'arriveras pas. Chacun va donc prendre son livre, soit de la main droite, soit de la main gauche. Celui qui va prendre son livre de la main droite sera heureux. Et celui qui va le prendre de la main gauche sera un grand perdant. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu arrives à imaginer ce moment quand on va te remettre ton livre? Allez, voyage un petit peu avec moi et imagine quelques secondes qu'on est sur la terre du jour du jugement. Qu'on est sorti de nos tombes, nus, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wasalam, certains qui marchent à pied, d'autres qui marchent sur leur visage, tout ça c'est dans des hadiths authentiques. Une terre qui est poussiéreuse, qui ne contient aucun signe, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de construction, il n'y a rien. Et on est là debout. Et un soleil qui est au-dessus de notre tête, et la tente elle est de 50 000 ans. Puis après on t'appelle toi. On t'appelle toi pour que tu te présentes à Allah tabaraka ta'ala. Et tu reçois ton livre où il y a écrit tout ce que tu as fait de bien et de mal. À ce moment-là, dis-moi, et sois sincère, qu'est-ce que tu aimerais voir dans ton livre? Le jour du jugement, quand tu auras ton livre, qu'est-ce que tu aimerais voir dedans? Ce jour-là, imagine, tu ouvres ton livre et tu vois de la musique écrite partout. Partout, il y a écrit musique, 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 musique. Tu vois qu'il y a écrit sur des tonnes de pages ce que tu regardais à la télé comme télé-réalité, clips, films, séries et dessins animés. Et tu continues à tourner les pages, tu vois, il n'y a que ça. Et après tu continues, et tu vois quoi? Un paquet de péchés de relations illicites. Drague dans la rue ou sur le net, sur Facebook, j'envoie ma photo ici, j'invite une femme, j'invite ceci, j'invite cela, j'essaye de séduire, je vais dans tel forum, je m'inscris pour Zahama me marier, mais en fait c'est pas pour marier, c'est que pour du haram, et de toutes les manières, même si tu veux te marier, c'est pas dans ces endroits-là. T'es sorti avec des filles, tu vois, tu continues à tourner, tu vois la fornication, tu vois celle que t'as embrassée, celle que t'as touchée, celle que t'as mis enceinte et qu'elle a avorté, celle que. Ce jour-là, tu veux voir quoi dans ton livre? Tu veux voir quoi? Si tu veux voir prière, repentir, des larmes qui ont coulé par crainte d'Allah, la lecture du Coran, talab al-ilm, le respect des parents, si tu veux voir ça, il faut que tu te bouges maintenant. Que tu reviennes à Allah, que tu fasses tawbah, que tu regrettes, que tu te repentes de tes péchés, de tes manquements. Que tu te repentes d'avoir délaissé les obligations d'Allah pour un vil bas monde. Et ne sois pas de ceux qui visent la miséricorde d'Allah sans avoir fait les causes dans ce bas monde. Allah tabaraka ta'ala a dit dans sourate al-Jathiyah, sourate 45 verset 21, « Am hasiba alladhina ajtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat » Ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal? Regarde le verset comment il est clair. Ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres? Est-ce que ceux qui commettent des péchés, ils vont être traités de la même manière que ceux qui commettent des bonnes actions le jour du jugement? Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme ils jugent mal. Donc, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit ces fameux conseils qui sont très riches de la part de Jibril alayhi wa sallam, qui sont un, ô Muhammad, on me les répète, ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Et fais ce que tu veux, tu en seras rétribué. Troisième conseil, aime qui tu veux, tu devras t'en séparer. Tu devras t'en séparer un jour.
Et remarque que chaque conseil est lié à celui qui le précède, n'est-ce pas? Aime qui tu veux, tu devras t'en séparer. Toi qui aimes ta femme, sache que tu devras un jour t'en séparer. Ma sœur, toi qui aimes tes enfants, sache qu'un jour tu devras te séparer d'eux. Toi qui aimes tes amis, sache qu'un jour tu devras te séparer d'eux. Et sache qu'Allah tabaraka ta'ala te fasse miséricorde que certaines amitiés se transformeront le jour du jugement en inimitié. C'est pour cela que je te recommande de faire attention à ne pas aimer n'importe qui. N'aime que pour Allah. N'aime pas les gens pour ce bas monde. Pareil, lorsque tu rencontres des gens, fais-le pour Allah. Certaines amitiés se transformeront en inimitié le jour du jugement. Allah tabaraka ta'ala a dit dans sourate Al-Furqan, sourate 25, versets 27 à 29, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira, l'injuste il va se mordre les deux mains le jour du jugement. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Si seulement j'avais suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, loin du Coran, après qu'il me soit parvenu. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. C'était une mauvaise fréquentation. Mais le diable, il m'a eu. Et je suis resté attaché à lui. Si seulement j'avais pas pris un tel comme ami. Le diable m'a eu. Je l'ai fréquenté et voilà le résultat. Il m'a en effet égaré loin du rappel après qu'il me soit parvenu et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Le diable, il est là pour te séduire, pour te tenter. Il t'amène vers le péché après il t'abandonne. Et le jour du jugement, il t'abandonnera et il se désavouera de toi. Et Allah tabaraka ta'ala dit dans sourate Az-Zukhruf, sourate 43 verset 67, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. Illa al-muttaqin. Les amis, ce jour-là, on parle du jour du jugement. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Les seuls qui ne seront pas ennemis, c'est qui? C'est les pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la piété et fasse qu'on soit des adorateurs sincères. Apprends donc à aimer les pieux et ne les aime que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Aime ceux qui vont te rappeler qu'il faut s'attacher au Coran. Aime ceux qui vont t'amener à la mosquée. Aime ceux qui vont te faire écouter des rappels. Aime ceux qui vont te dire qu'il faut jeûner des jeûnes surrogatoires quand il fait chaud. Aime ceux qui vont te rappeler Qiyamul Layl, qu'il faut appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faut aimer les gens pour Allah et souder nos liens avec la Umma. Mu'adh, radiallahu anhu, ce compagnon, un grand compagnon, un adorateur, au moment de sa mort, il pleura. Mais à ton avis, il a pleuré pourquoi? Parce qu'il allait quitter sa famille, sa richesse, son argent? Il pleura puis il dit, « Oh Allah, tu sais que j'avais peur de toi et maintenant j'ai espoir en toi. Oh Allah, tu sais que je n'ai pas aimé le bas monde par espoir de vivre longtemps, ni pour ces fleuves, ni pour ces arbres. Je pleure car je vais quitter la soif pendant les fortes chaleurs. » C'est-à-dire quoi? Je vais quitter le jeûne quand il fait chaud. Tu vois pourquoi il pleure au moment de sa mort? C'est pas parce que il va quitter la dunya, l'argent, etc. Non! C'est parce qu'il va quitter le jeûne quand il fait chaud. Je pleure car je vais quitter la soif pendant les fortes chaleurs, les prières nocturnes de l'hiver et pour la fréquentation des savants en étant serré et à genoux dans les cercles d'évocation. Voilà pourquoi il aimait ce bas monde. Et la question que j'aime poser ainsi qu'à toi, mon frère, toi qui m'écoutes, ainsi que toi ma sœur, pour quelle raison aimes-tu ce bas monde? Pourquoi est-ce que tu veux rester en vie? Pour tes études? Parce que t'aimes ta famille? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Est-ce que tu aimes cette dunya? Parce que tu as l'occasion d'adorer ton Seigneur Jalla wa'ala? Parce que tu peux t'isoler dans une pièce et parler avec Allah tabaraka ta'ala, le Créateur, le Tout-Puissant? Pourquoi est-ce que tu aimes ce bas monde? Pourquoi est-ce que tu veux rester en vie? Quelles sont les raisons? Quatrième conseil. Jibril alayhi salam dit au prophète sallallahu alayhi salam, et sache que l'honneur du croyant se trouve dans la prière de la nuit. Franchement, c'est pas des phrases en or
que Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi salam, chaque phrase elle a son poids. L'honneur du croyant, mais si seulement tu pouvais comprendre cette phrase, l'honneur du croyant il est dans Qiyamul Layl. Qu'y a-t-il de plus beau que de se lever la nuit pour adorer Allah tabaraka ta'ala, de quitter son sommeil pour s'isoler avec Allah azawajal? Il n'y a que les véridiques, les sincères qui se lèvent la nuit pour prier. Ceux qui se lèvent la nuit sont les pieux et les pieuses. Allah tabaraka ta'ala, en décrivant les pieux, a dit dans sourate Sajda, sourate 32 verset 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ils s'arrachent de leur lit, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas leur lit tellement ils aiment la prière. Ça c'est les pieux, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Celui qui se lève la nuit pour prier et celui qui passe sa nuit à dormir ne sont pas égaux. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ils sont égaux auprès d'Allah? Wallahi non. Celui qui se lève la nuit pour prier, celui-là, il est en train de se rapprocher d'Allah avec une fusée. Et celui qui ne se lève pas la nuit pour prier, c'est une tortue dans son chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, et sache que sharaf al-mu'min, l'honneur du croyant, se trouve dans la prière de la nuit, qiyamul layl. Méditez, barakallahu fikum, sur ce passage du hadith. Et sache que l'honneur du croyant se trouve dans la prière de la nuit. Aujourd'hui, tout a changé. On nous a fait comprendre que l'honneur du croyant se trouve dans quoi? Son rang social, zid, sa nationalité, son argent, sa famille. Toi, ton honneur, il dépend de ta famille. Ça, c'est ce qu'ils vont te dire. Donc certains pensent que leur honneur, il leur est dû à quoi? Au fait qu'ils ont une grande famille. Et selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, quant à celui que ses œuvres ont mis en retard, il ne sera pas pris en avance par son appartenance, yani par sa parenté. Et ça c'est rapporté par Muslim. Et Allah tabaraka ta'ala a dit dans sourate Al-Mu'minun, sourate 23 verset 101, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ. Il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se poseront pas de questions. Mes frères et sœurs, permettez-moi de reprendre les conseils de l'ange Jibril. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. » Si seulement on pouvait se répéter cette phrase tout le temps, ça nous freinerait face à beaucoup de péchés. Oui ou non? Vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Un jour tu seras sous terre, ça y est, ça sera fini. Tu ne pourras plus œuvrer. Vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Et fais ce que tu veux, tu en seras rétribué. Œuvre. Mais sois intelligent, œuvre dans le bien. Parce que si tu œuvres dans le mal, faut que tu le saches, que le jour du jugement, tout ça, ça sera écrit dans ton livre. Et il est possible que tu le prennes de la main gauche. Aime qui tu veux, tu devras t'en séparer. Et sache que l'honneur du croyant se trouve dans la prière de la nuit. Ça, c'est des vraies définitions, ça. L'honneur du croyant, il est dans Qiyamul Layl. Quant au cinquième et dernier conseil de l'ange Jibril, alayhi salam, il dit en parlant du croyant, et sache que Izzatul Mu'min, la fierté du croyant, se trouve dans le fait de se passer des autres gens. Cela veut dire que le croyant doit s'attacher à son Seigneur et pas aux gens. Rappelez-vous du hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quand tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah. Quand tu cherches de l'aide, demande-la à Allah. Le croyant ne dépend pas des gens. Il ne dépend que d'Allah, tabaraka ta'ala. Le croyant mange et boit de la sueur de son front et non pas en tendant la main. Et sachez que demander aux gens est une humiliation. Les prophètes, alayhim salam, qui sont nos exemples, ont travaillé. Ils ont été des bergers. Moussa, alayhim salam, a travaillé. C'est mentionné dans le Coran. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était un berger. Il travaillait pour ne pas dépendre des gens. Et c'est ainsi qu'étaient nos ancêtres, as-salaf. Ils refusaient les aumônes.
Et sache que la fierté du croyant se trouve dans le fait de se passer des autres gens. Une fois, un parmi les émirs entra à la mosquée de la Kaaba. Il y trouva un savant et il voulait se rapprocher de lui. L'émir dit au savant, « As-tu besoin d'une chose particulière afin que je m'en occupe ?» Le savant lui dit, « Par Allah, j'ai honte de te demander quelque chose alors que je suis dans la maison d'Allah. » Comment je vais te demander à toi, je suis dans la maison d'Allah? L'émir attendit que le savant sorte de la mosquée, puis une fois à l'extérieur, il lui dit, « Et maintenant, as-tu un besoin particulier ?» T'es plus à la mosquée. Est-ce que tu as un besoin particulier? Le savant lui dit, tu parles des besoins de ce bas monde ou ceux de l'au-delà? Quel type de besoin tu parles? L'émir lui dit, des besoins de ce bas monde. Le savant reprit en disant, je n'ai pas demandé ce bas monde à celui qui le détient. Penses-tu que je vais te le demander à toi? Et sache que la fierté du croyant se trouve dans le fait de se passer des autres gens. Et tu ne pourras être comme cela que si tu es attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour finir, permettez-moi de reprendre le hadith une nouvelle fois. Ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Et fais ce que tu veux, tu en seras rétribué. Aime qui tu veux, tu devras t'en séparer. Et sache que l'honneur du croyant se trouve dans la prière de la nuit. As-salaf, rahimahullah, il priait la nuit. Il se levait, il priait la nuit. Et ils allongeaient la station debout. Ils restaient debout longtemps. Nous, malheureusement, dans notre époque, on est en train d'essayer de tout faire pour attacher les gens à la prière obligatoire. C'est pas une honte, franchement. Et sache que l'honneur du croyant se trouve dans la prière de la nuit. Tu veux le succès, tu veux la clé de ta réussite. Qiyamul layl. Lève-toi la nuit et prie. Et que la fierté du croyant se trouve dans le fait de se passer des autres gens. Qu'Allah tabaraka ta'ala me facilite ainsi qu'à vous de mettre en pratique ce hadith. Qu'Allah azza wa jal nous facilite d'être des pieux, des adorateurs sincères et que l'on puisse mourir en pleine soumission. As-salah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu azza wa jal a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.